Salut les amis, nous sommes le jeudi 22 août. Je suis avec mon petit ouvrier, avec Rémi. On est en train de botteler, là, on fait la petite pause fraîcheur, la petite pause déjeuner. À l'ombre des frênes. À l'ombre des frênes, voilà la parcelle. Donc cette petite vidéo pour apporter tout mon soutien aux éleveurs de moutons qui sont en train de passer de mauvaises journées avec la fièvre catarrhale. Donc on leur propose la vaccination, mais je pense que ce n'est pas la solution. La solution, c'est que vous rentriez vos brebis dans les bâtiments, que vous sortiez le fumier, que vous les désinfectez, et normalement ce moucheron ne rentre pas dans les bâtiments. Au pire, un insecticide, mais dépêchez-vous à rentrer toutes vos brebis à l'intérieur. Et pour moi, il ne faut pas les vacciner, parce qu'en les vaccinant, vous allez avoir de grosses pertes d'agneaux, il va y avoir beaucoup d'avortements. Je me rappelle en 2014, on ne l'avait pas fait sur notre exploitation avec les bovins. Et au final, tous ceux qui l'avaient fait, ils avaient eu beaucoup d'avortements. Donc c'est compliqué les jours que vous passez, parce qu'en plus, il y a la FNSEA ne fait rien, bien entendu. Il n'y a aucune indemnité de prévue. Tout dépend des départements, mais chez nous, en Haute-Loire, il n'y a pas d'indemnité. Et je voudrais aussi faire un coucou aux vignerons qui ont attaqué les vendanges, particulièrement à Amandine, côté de Marseille. Elles travaillent, ils font des journées de fou. Ils attaquent le soir à 6h, jusqu'au lendemain matin à 6h. Et la journée, eh ben, ils essayent un petit peu de se reposer, mais c'est compliqué. Donc, voilà, un immense soutien à tous nos vignerons. Et bien entendu, soutien à tous les paysans, tenez coup, il faut tenir bon. Comme il dirait Funès, on les aura. On les aura. Allez, la bise.